TV Canada Trust et FND Records sont fiers de s'associer à cette grande émission sur les ondes de CIBL Radio Montréal. Bonne émission. En provenance du quartier des spectacles à Montréal et en direct de la Maison du Jazz, située au 2060 Wilmer, c'est Jazz Montréal, animé par Caroline Gagné. Rejoignons à l'instant l'unique Yours Truly de CIBL, entouré de ses invités et du meilleur jazz en ville. Bonsoir à vous et bienvenue à Jazz Montréal, l'émission de jazz la plus dynamique à Montréal, je dirais. Alors, cette émission qui est consacrée à la relève jazz montréalaise et à ce qui se fait de mieux en général au niveau du jazz ici dans notre belle métropole. Je vous rappelle que le thème de l'émission, qui est le thème depuis le début, en septembre 2007, c'est Hanging Loose de Vic Vogel. Et si vous désirez télécharger cette pièce, ben vous pouvez le faire gratuitement sur le site de vicvogel.com. Alors au programme ce soir, nous allons consacrer une partie de l'émission à la programmation de la 9e édition de l'OFF Festival de Jazz de Montréal. Son président Christophe Papadimitriou sera avec nous en deuxième heure et on va avoir une conversation assez intéressante au sujet du festival comme tel et également de la programmation. Et comme à chaque semaine à Jazz Montréal, de la musique live. Alors, on est en direct de la Maison du Jazz. On est au 2060 de la rue Elmer. C'est Caroline Gagné qui vous parle et qui vous accompagne jusqu'à 21h. Alors, sur la scène, devant moi, j'ai le Jazz Latin Jam Trio. À la batterie, Rafik Mankarios. Pierre Séguin est à la contrebasse. Au piano, Isabelle James. Bonne soirée à tous et à toutes sur les ondes de Radio Montréal. Voici la chanteuse Ruth Damas. Bye.
façon. À quoi tu bébé? À quoi tu bébé, camarade? À quoi tu bébé? À quoi tu bébé? À quoi tu bébé, camarade? Ski banda, pa 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 la, ski banda, pa pa na pa na na, ski banda. Ruth Damas, c'est le Jazz Latin Jam Trio. Oui, Ruth Damas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici. Ça me fait un grand plaisir, merci beaucoup. Ruth Damas, tu es d'origine portugaise. C'est exact. Alors, tu comprends ce que tu chantes. Oui. Dans le cas de Agua de Beber, qui veut dire de l'eau à boire. De l'eau à boire. Et elle parle de quoi, au juste, cette si belle pièce? Elle parle de... Mon Dieu, c'est... Des fois, dans une bossa nova, les mots font du sens, puis des fois, ne font pas du sens. OK. La chanson, en général, parle d'amour, de bris de cœur. Agua de beber, je sais pas. Ben, en anglais, c'est intéressant parce qu'elle a été traduite comme une fleur. Je suis une fleur, j'ai besoin d'eau. Viens me donner de l'eau. Ah! Donc, je pense merci que... Merci d'éclairer ouais, un exactement. Peu. Exactement. Oui, OK. Agua de beber, give me water. C'était... For the flower to drink. C'est ça les paroles en anglais. Quand ils les ont traduites. Exactement. Alors, ouais. On poursuit tout de suite en musique tu nous offres quelle chanson maintenant? Je vous offre une très belle chanson qui s'intitule Autumn Leaves. Que les auditeurs et auditrices de Jazz Montréal vont reconnaître. C'est un standard. Voici à la voix Ruth Damas. Thank you.
The summer kisses, the summer hats I used to hold. Ever since you went away, the days grew long, and soon I'll hear a winter song. On applaudit le Jazz Latin Jam Trio, Ruth Damas à la voix. C'est Isabelle James qui est au piano et à la contrebasse, Pierre Séguin, à la batterie, Rafik Mankarios. Ruth Damas, on continue en musique là, tout de suite. Tu nous proposes quoi? On continue avec une très belle chanson, Night and Day. Night and Day, Night voici Ruth Damas sur les ondes de Radio Montréal. The high.
making love to you day and night. C'est le Jazz Latin Jam Trio que l'on applaudit en ce moment, ce soir, en direct de la Maison du Jazz et à Jazz Montréal. Bien évidemment, Ruth Damas est à la voix. Tu viens de nous chanter Night and Day, Ruth. Oui, oui. Est-ce que tu as changé, tu as tourné les pages de ton cahier, mais est-ce que tu sais c'est qui a composé cette pièce? Je crois que c'est Duke Ellington, si okay. Je ne m'abuse. OK, j'ai une autre question. Oui. Celle-ci provient de mon technicien ici, d'accord. Antoine, qui me dit que U2 a interprété cette pièce. C'est vrai? Je dois le croire sur parole parce que c'est un grand connaisseur de musique. Donc, je me demandais, là, c'est que Antoine Léveillé, notre technicien ce soir, m'a demandé si c'était une pièce originale de U2. Ça, j'étais sûre à 99.99% que non. Elle date un peu plus. Alors, c'est Ruth Damas qui nous charme par sa très, très belle voix ce soir. Et il reste assez de temps, Ruth, dans cette première demi-heure pour une dernière chanson. Tu nous interprètes quoi? Bien, je vais vous interpréter pour cette dernière chanson, Summertime. Ah oui, un grand classique. Merci. Et l'été qui est à nos portes ici à Montréal. Cotton is high. Ooh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Ooh, one of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. Thank you.
little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's another can harm you. When mommy and daddy standing by. Direct de la Maison du Jazz à Jazz Montréal sur les ondes de CIBL Radio Montréal. C'est le Jazz Latin Jam. Jazz Latin Jam Trio que nous écoutons ce soir et qui est en fait sur la scène ici en direct à la Maison du Jazz. On écoute quelques messages et tout de suite après, je m'entretiens avec la chanteuse Ruth Damas. Radio Montréal. Dès le 3 juillet, General Motors présente le Salon des instruments de musique de Montréal, le CIM, un événement gratuit pour le grand public. Des instruments de musique des plus grandes marques, kiosques, expositions, ateliers, mini-concerts et démonstrations. Le CIM, c'est aussi des rencontres uniques avec Gino Vanelli, Oliver Jones, Daniel Lanois et plusieurs autres. Visitez le simm.ca pour tout savoir. Le CIM, du 3 au 6 juillet au complexe Desjardins, en plein cœur du Festival international de jazz de Montréal, en collaboration avec CIBL. Cette semaine, au Swanee Perry de Popolo, nous recevons Acceptor, Shalabi Effect, le trio Glenn Hall, Lauren Connors, le quatuor Bozzini avec Malcolm Goldstein, le duo de Roswell Ruddy, Mark Dresser, Joseph Van Vissem, Spires at In the Sunset Rise, Hartzell, The Luyas, Grant Hart, Greg McPherson, Evangelista, Oneida, Yap Blanc, Nils Klein Singers, Land of Kush, Rainer Veens et Silvermount Zion. Du 1er au 11 juin à la Casa et à la Sala, les billets sont en vente à la Casa, Cheap Thrills, Adam Hart, Phonopolis et L'Oblique. Tout est fond sur le site swanipéridepopolo.org. François, il faudrait que je te parle de quelque chose. En coloc, on peut tout se dire. Ben, j'ai participé à un concours sur Internet. Ah, OK. Puis qu'est-ce que tu peux gagner? Ah, plein de belles affaires, là. Ah, super. Par contre, il a fallu que je donne ma nouvelle adresse. Ta nouvelle adresse? Vous déménagez? Avisez-nous sans tarder. Faites votre changement d'adresse en quelques minutes sur hydroquebec.com. C'est facile, accessible en tout temps et vous pourriez gagner un super ordinateur ou un lecteur MP3. Un message d'Hydro-Québec. Certaines conditions s'appliquent. TD Canada Trust et F&G Records sont fiers de s'associer à cette grande émission sur les ondes de CIBL Radio Montréal. Bonne émission. À Jazz Montréal, c'est Caroline Gagné qui est avec vous et je suis en compagnie de la très charmante chanteuse Ruth Damas. Bonsoir, madame. Bonsoir. On se tutoie. Hein? On se tutoie. D'accord. Alors, c'est Ruth Damas qui est la chanteuse du Jazz Latin Jam Trio. Voilà, j'ai réussi. Bravo. Oui, bravo. Mais j'aurais peut-être dû faire des exercices de phonétique cette semaine. Toujours est-il que, Ruth, tu es cofondatrice de ce groupe qui existe depuis 2003. Exactement. Et c'est ça. Alors, c'est toi et ton copain. Et mon conjoint. Ton conjoint. Rafik Mankarios à la batterie. Le batteur de ce soir. Vous avez décidé de fonder ce groupe-là en 2003. Oui. Pour la raison suivante, nous sommes tous les deux mordus du jazz. Oui. Et nous aimons, ben en fait, le jazz, oui, mais plus précisément le jazz latin. Oui. Donc, beaucoup de cuivre dans notre groupe. Oui, parce que là, c'est une version un peu réduite hein, qu'on a ce soir du Jazz Latin Jam. Mais par exemple, nous serons en spectacle très bientôt et nous serons 10 sur scène. Donc, nous avons une section de cuivre de 5 musiciens. Ah bon, OK. Donc, c'est sûr que nous jouons des arrangements qui sont très, très, très énergiques, percussifs, où les cuivres sont mis en évidence. Et c'est un produit que nous peaufinons toujours et nous en sommes très fiers parce qu'il y en a très peu à Montréal. Oui, oui, j'avoue, c'est vrai. Ça. Surtout avec beaucoup de cuivre dans Exactement. Le groupe. Toi, tes influences, Ruth Damas, tu dirais, c'est qui?
c'est quoi? Je pense qu'on on est influencé hein, par des grands, des grandes artistes. Oui. Est-ce que tu pourrais en nommer un ou deux ou une? Moi, ou deux? De mon côté, c'est sûr que c'est les chanteuses à voix que j'aime beaucoup, comme Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Dinah Washington. Mon conjoint, lui, c'est plutôt, des groupes comme Spyro Gyra. Des groupes qui sont où les cuivres sont encore en évidence. Donc, on a mis nos deux amours ensemble et puis ça fait le jazz latin jam. OK, c'est bien. Et puis, c'est ça, tantôt, tu nous parleras, là, tu nous diras, tu annonceras s'il y a un concert qui s'en vient. Je te parlais au téléphone cette semaine et puis je me suis posé la question, est-ce que tu as toujours voulu chanter ou est-ce que, si on parle de ton parcours, de ton éducation, tout ça, est-ce que tu as commencé ça très, très jeune? Très jeune, tu savais que tu voulais chanter? Ou... C'est sûr que quand j'étais à la petite école, quand j'avais 4-5 ans, je pensais pas que je voulais en faire un métier. Je pense que quand on a cet âge-là, on prend des bains. Puis c'est quand on prend une douche qu'on se met à chanter, puis c'est là qu'on se rend compte qu'on a une voix. Oui, exactement. Mais moi, je viens d'une famille qui est assez musicale. Ma mère, elle chante du répertoire classique. Fait que j'ai toujours été influencée. J'ai toujours entendu ma mère chanter. Oui. Puis ce n'est que, moi, personnellement, à l'âge de 15 ans, quand je me suis joint à mon premier band, que j'ai découvert un autre univers. Puis depuis ce temps-là, je suis restée accrochée. OK, donc vraiment, dès l'âge de 15 ans, tu chantais dans un band. Oui, exact. OK, tu étais ici à Montréal? Oui, toujours à Montréal. Tu es née à Montréal, Ruth? Je suis née à Montréal, mais mon background, ma famille, viennent tous du Portugal. Du Portugal, oui, c'est ça. Alors, c'est bien parce que si tu chantes de la bossa nova ou en tout cas... Tout à fait. Au moins, tu comprends le portugais. Oui, c'est ça. Oui, c'est un avantage que j'ai. Tu es une... Est-ce que tu as des grands projets d'avenir? Es-tu une grande, grande ambitieuse? Ou est-ce que tu es plus le genre à te contenter de te satisfaire du moment présent, disons? C'est sûr que nous avons tous des ambitions dans la vie. Oui. Mais il faut faire attention avec les ambitions. Ah. Fait qu'on y va petit pas par petit pas. OK, puis mais pourquoi tu dis qu'il faut faire attention? Bien, surtout dans le domaine de la musique, c'est... Il y a beaucoup de requins, okay. Disons, oui. Comme dans n'importe quoi. Non. Puis, je veux dire, le domaine de la musique, en fait, l'industrie de la musique est assez compliquée, que c'est très difficile pour un artiste, surtout jazz, de percer, quoi. Donc, on essaie de se trouver des heureusement, comme des places comme le House of Jazz qui accueille les artistes, puis qu'on ait la chance de chanter. Parce que, autre que ça, je serais en train de faire, une job chez McDo. je comprends. C'est pas. Puis aussi, il y a le fait que, tu sais, dans les années 70-80, tout le monde travaillait. Tous les musiciens travaillaient. Il y avait de la musique partout. Ouais. Là, à cette heure, c'est rendu restreint. C'est plus petit, à cause de quoi? Je sais pas, c'est de l'économie. Il y a plein de facteurs. OK. Puis le monde sont plus aussi. Veulent pas payer. Puis ce qui fait que il y a beaucoup de musique qui a été coupée, des bars et des clubs et des hôtels. Oui, et tu n'es pas la première à me dire ça. Ici, à Jazz Montréal, à chaque semaine, à chaque lundi, on est ici. Ouais. Et depuis le mois de septembre que j'accueille en entrevue des musiciens tous les lundis, puis tu n'es vraiment pas la seule à tenir ce discours-là, rue de Damas. Est-ce que est-ce que tu aimerais faire un disque, par exemple? Ça, c'est souvent le projet des jeunes musiciens ou ceux, tu sais. C'est sûr que je rêve d'en faire un. C'est sûr que l'inspiration ne me vient pas toujours. OK. Parce que, je fais ma vaisselle, je ne suis pas nécessairement inspirée. Mais il y a des moments où, spontanément, il y a quelque chose, une mélodie qui me vient à la tête ou une parole. OK, une tu phrase. Composes, tu écris au également. Au fur et à mesure. C'est comme un casse-tête qu'on met ensemble. Là. Est-ce que ce soir, on va pouvoir entendre certaines de vos compositions, de toi ou des musiciens qui t'accompagnent? On va essayer de trouver quelque chose pour vous. Ou sinon, ce qui est le fun avec un artiste, c'est que on s'approprie d'une chanson en la transformant à notre façon. Est-ce qu'on essaie de faire ce soir? Oui, en interprétant. Tantôt, j'ai dit des classiques. Là, je me suis dit, c'est des standards. Mais je pense que classique, standard, c'est la même chose. C'est la même chose. Ruth Damas, ton prochain spectacle, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer et venir te voir ici ce soir à la Maison du Jazz, il est prévu pour quand? Il est prévu pour le 9 juillet. Le 9 juillet. À 20h, c'est un mercredi soir. Oui. Et donc, ça, c'est pour le House of Jazz. Ici?
le House of Jazz. OK, oui, alors la maison du jazz. Ici. Oui, la maison du jazz. Le mois prochain. D'accord, le 9 juillet, donc au 2060, où nous sommes, nous ici, Jazz Exactement. Montréal, à tous les lundis. Ruth Damas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Merci. Et on va se laisser avec ton choix musical. Alors, une musique que tu veux partager avec nous. Une musique que je veux partager avec vous, et je suis sûre que tout le monde l'apprécie, c'est The Girl from Ipanema, parce que c'est la chanson qui m'a fait connaître la bossa nova. Et j'en suis tombée follement amoureuse. Et on dit que la bossa nova fait partie du djam, c'est vrai, mais dans mon cœur, ça reste une catégorie à part parce que c'est une musique qui, point de vue de ses paroles percussives et point de vue de sa mélodie assez complexe, le mariage des deux ensemble fait un produit vraiment exemplaire que... C'est très difficile pour moi de catégoriser ça vraiment, là, jazz. C'est sûr que c'est jazz, mais catégorie à part. Oui, tout à fait. Oui. Quand on entend un air de bossa nova, oui. on se dit c'est de la bossa nova. C'est ça. Pas, oui, non. tout à fait. C'est Astrud Gilberto qui chante The Girl from Ipanema, tiré du le disque extrêmement connu. En fait, c'est drôle, c'est ce disque-là, c'est Getz et Gilberto. Mm-hmm. Bon, je le prononce en français, là, sûrement que tu saurais prononcer c'est ça. C'est très bien comme tu prononces. ce disque-là est le dernier disque jazz, si tu veux, qui a gagné le Grammy du meilleur album. C'était en 1964 et cette année, en 2007, c'est encore un album jazz qui a gagné le Grammy du meilleur album. C'est celui de Herbie Hancock. Oh. Alors, on fait pas d'erreur, on écoute The Girl from Ipanema. Merci. Merci beaucoup, Ruth Damas. Merci. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.
C'est Astrud de Gilberto qui chante The Girl from Ipanema. Elle est accompagnée évidemment de Stan Getz, de Jobim, de son mari Gilberto. Jean me fait signe que c'est beau, Caro, mais non. Jorge Alberto, Tommy Williams à la contrebasse, Milton Banana à la batterie. Et c'était le choix musical de Ruth Damas qui est avec nous ce soir. C'est la chanteuse qui est sur la scène de la Maison du Jazz. Oui, elle est avec son groupe, le Jazz Latin Jam Trio. À la batterie, c'est Rafik Mankarios et à la contrebasse, Pierre Séguin. Isabelle James est au piano. Recédons les ondes à la très charmante voix de Ruth Damas. When out of an orange-colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of an orange-colored view, wham, bam, alakazam, I got to look at you. One look and I yell timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, I've been hit. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, out of the tail, out of an orange colored sky.
Ruth Damas nous interprétait cette très belle chanson sur le coup de foudre, hein? Le Jazz Latin Jam Trio sur la scène de la Maison du Jazz ce soir. C'est au 2060 de la rue Elmer, au métro McGill. Venez nous voir à Jazz Montréal sur les ondes de CIBL. On est ici à tous les lundis depuis septembre. Et ce soir, c'est la 35e édition de Jazz Montréal. Oui, moi, je veux dire bravo à Antoine Léveillé. Merci. À la batterie ce soir, Rafik Mankarios, merci. À la contrebasse, Pierre Séguin, au piano, Isabelle James, à la voix, Ruth Adams. Ruth, tu viens de chanter une chanson d'amour encore. Ben, en fait, les débuts hein, de l'amour. Ce sont toujours des chansons d'amour. C'est vrai. Et on continue avec ton répertoire. Oui, une belle chanson en portugais, cette fois-ci, Corcovado. Ah, bien sûr. Voici le Jazz Latin Jam Trio. Amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo de sonhar. Da janela vê-se o Corcovado redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Only a bitter tragic joke.
I found with you the meaning of existence, oh my love. The meaning of existence, oh my love. The meaning of existence, oh my On vient d'entendre, on écoute ce soir le Jazz Latin Jam Trio sur la scène de la Maison du Jazz à Jazz Montréal et Corcovado, si je ne me trompe pas, hein, c'est rue de Damas, c'est la montagne sur laquelle il y a le Christ, oui, on appelle ça le pain de sucre, hein, je pense, oui, en français. Oui, le pain de sucre. Es-tu allée au Brésil, Ruth? J'y suis allée quand j'avais 7 ans et je suis plus retournée après. Il faudrait, hein? Je suis due. Ouais. Pour puiser mes inspirations. Oui, les renouveler, peut-être voir où le Brésil en est aujourd'hui en 2008. On continue donc en musique, on a le temps, hein, coordonnateur? Oui, on a le temps d'écouter une autre pièce du Jazz Latin Jam Trio. Than what I have for you, no greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me, no sweeter song than what you sing to me. You're the sweetest thing I have ever known, and to think mine alone. There is no greater love in all our world, it's true. No greater love than what I feel for you. For you,
no greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me. You're the sweetest thing I have ever known. And to think that you were mine alone. No greater love than what I feel for you. No greater love than what I feel for you. No greater love than what I feel for you. Merci. Le Jazz Latin Jam Trio à Jazz Montréal cette semaine sur les ondes de Radio Montréal. Tout de suite après ces quelques messages, nous allons passer du temps avec le président de la 9e édition de l'Office.